Et salut à toutes les gars, c'est Roulian, j'espère que vous êtes tous très bien les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve les gars pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. L'épisode je sais même plus, mais alors, je regarde même plus à quel épisode on est, je m'en... Voilà, je sais pas, voilà, peut-être... Non, je vais pas dire un chiffre, je sais absolument pas, je regarde, je fais même pas attention à ça. Donc on se retrouve, donc oui, on va jouer face à Southampton. Donc là je fais cette vidéo à la suite de l'épisode 2 de ma carrière avec Southampton. Donc ça tombe bien. Donc oui, non, en plus c'est la double confrontation face à Saint-Etienne dans cet épisode, plus un match face au FC Metz. Bon, on va pas se cacher, hein, le match le plus important c'est clairement Metz, c'est un rêve, voilà, depuis que je joue à FIFA, j'ai toujours rêvé de jouer face au FC Metz, c'est vraiment une grande émotion. Enfin, bon, je pense que vous avez compris l'ironie. Donc on va tout de suite partir les gars, on va pas perdre plus de temps que ça. Donc 8ème de finale d'Europa League, c'était un match très compliqué, un match, ça risque d'être un match serré, voilà, face à West Ham on s'était qualifié de justesse. Donc là, on va essayer de faire pareil face à Anton. On joue à domicile. Ah oui, je me rappelle, il y a eu pas mal de blessés. Ah ouais, c'était la galère. Ah oui, la malédiction des blessures était avec moi. M'en mettre Perrin. Donc, il y a un abonné ouais, qui me disait pourquoi je mettais pas Perrin. C'est juste que j'essaie de faire pas mal tourner. Voilà, pour moi, le plus important, c'est vraiment la forme des joueurs. Je préfère mettre un mec un petit peu moins bon, mais qui est en forme. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'énergie, qu'un mec qui est meilleur. Mais s'il n'a pas beaucoup d'énergie, il tiendra pas tout le match, il y a plus de chances qu'il soit mauvais. Enfin, c'est comme ça que moi je joue en tout cas. Donc ouais, on a Tana, Namouma blessé et le marchand. Ouais, le marchand, lui, c'est fragile. Fragile.com, il se blesse à chaque fois. Fragile.com, je sais pas pourquoi je sors ça. Bref. Donc ouais, il y aura de la fatigue, mais bon là j'ai pas trop le choix. Bon là je préfère quand même mettre Perrin, même si c'est un tout petit peu fatigué. Là, faut mettre l'équipe type. Parce que bon, si je mets l'équipe B. Voilà, je vais mettre l'équipe type contre Metz. On va mettre Mbégué. Au milieu de terrain, on va mettre Bazouer et Dabo. À droite, voilà, à droite c'est le même problème. Hein. C'est le même problème, le truc mal cuit. Ouais, mais c'est compliqué, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. On va mettre Ninga à droite. Et Augustin, il va être cramé. Je sais pas quelle attaque je vais mettre face à Metz, mais... On va mettre Lozano. Voilà. On se débrouille comme on peut. Hein. Voilà, quand t'es plein de blessés, bah, c'est la galère pour faire une équipe. Et voilà, je sais pas comment on va faire pour le prochain match. Face à Metz, à mon avis, ça va être une équipe dégueulasse. Je pense que je vais mettre un vieux système. Je mettrai pas deux attaquants parce que bon, faut que mes attaquants se reposent. Donc, on est parti pour ce match. Ok, on m'envoie un message. On s'en fout, juste couper la sonnerie au cas où si on m'appelle. Donc, on va mettre l'équipe type. Donc, on va mettre leur maillot noir. On va jouer en légende en 5 minutes. Alors, il y a vraiment de la fatigue. Alors, bon, c'est pas grave. On compte sur le trio d'attaque avec Berić, Augustin, Ninga et Lozano. Quoi, 3 on va dire. Donc, on se retrouve pour l'immersion de ce match. C'est pas une victoire. Il faut essayer de pas se prendre de but, essayer d'en marquer. Let's go! Et merci, votre talent de finisseur et marquer autant de buts possible. Mais moi, pas besoin de prouver. Mes 4 ans de finisseur ne sont plus à prouver. Rien de ça, mon gars. Regarde ça. C'est le talent, mon pote. Rien de l'enroulé que je vais te mettre. Ouais, bon, là, c'était le soleil. Ouais, mais ses supporters, ils me gênaient. Il y a personne dans le staff, c'est pas grave. Bon, allez, c'est parti. Il y a pas Dolberg. Il y a pas Rochford. Il y a pas Verratti. Berardi. Bon, bref, on se concentre un petit peu. Là, c'est vraiment un gros match. On va jouer en grosse pression. Il faut gagner. Clairement, il n'y a pas le choix. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas le choix, mais il faut aussi gagner. La Mégé. Voilà, Zano dès le début. Oh, la Mégé, qu'est-ce qu'il fait? La montée de la Mégé. Oh, je t'ai vu. Le côté. Niga. L'enroulé! Oh non, la frappe de merde! Dommage, première occasion, c'est bien parti, on se met en confiance petit à petit. C'est bon avec Lozano! Lozano! Boum! Oh non, c'est pourri ça, Lozano! Ah, c'était pied gauche, mais bon, j'avoue que contre la poitrine, ça m'a fait rêver. Je m'imaginais une frappe exceptionnelle, mais finalement, c'est une vieille croque de merde. Mais bon, c'est pas grave, on est bien dans ce match. Voilà, on est en confiance, ça joue bien. Oh putain, oh, j'ai parlé trop vite avec Belanda. Ah, il y a Younes Belanda, Santon, ok, normal. Il vient d'arriver alors, je pense. Ah, forcément, vu qu'il a mis, c'est. Attention, les gars. Non. J'ai pas été trop vite qu'on était en confiance. Ou... Oh, bien joué, c'est bon, tranquille, profiter. Allons, joue vite. Non, c'était pas une longue. Je me suis fait avoir. Attention! Oula! Ruffier! Ruffier, il est là, mon pote! Et ouais, mon gars, tu vas faire quoi? Magnifique parade de Stéphane Ruffier, c'est un match vraiment super intéressant, je prends beaucoup de plaisir, ça part des deux côtés.
C'est Younes Belhanda. Mais oui, mais moi je veux voir l'arrêt, tu vois. Bon, c'est pas grave. Aïnigante, mais là pour le contre, ça s'est vraiment resserré de fou. Ça peut tirer. Ça peut terminer, ça revient avec le défenseur en central. Mais d'abord, j'ai l'impression. On a joué. On a joué. Encore. Oh oui, l'arbitre, merci l'arbitre. Merci l'arbitre. Si je marque grâce à l'arbitre, c'est très magnifique. C'est très magnifique, Beric. Oh Beric. Oh Beric. Oh putain, je suis deg. Oh, je suis deg, Robert Beric, dommage. C'était magnifique, l'arbitre. On va le ralentir. Enfin, on va arrêter. C'est aux anneaux. Oh, c'est Bertou Lozano. C'est Bertou Lozano. La frappe, l'arrêt. La chenille. Ah, sa mère. Dommage. Allez, ils ont la chance, ils ont la chance. C'est vraiment un super intéressant, très serré pour l'instant. La qualification va jouer rien, par contre la vitesse avec Long. Bazur là qui a eu du mal. Et bah finalement ça sort. Et voilà, il a couru pour rien. T'as le seum hein. Mais ouais. Ta course était un peu trop longue. Tu sais, c'est long, mais tu sais. Quand je m'enfonce, ok. Et Younes Belhanda, mais il joue attaquant Belhanda là. Oh là, Belhanda le face à face. Belhanda, oh le bâtard. Oh non, l'ouverture du score. Oh putain, je pensais vraiment pas qu'il est centré. Je pensais vraiment pas qu'il est centré. Voilà, fallait éviter de se prendre un but à l'extérieur. Et ben voilà, on se prend un but. Et il a centré en plus la transversale de la Schneck. Ah, je suis dégoûté, les gars. C'est un match super, super intéressant. C'est vraiment pour mieux. Ça part des deux côtés. Il y a des actions. C'est vraiment pas du tout ennuyeux. Mais bon, malheureusement, là, ça tourne en la faveur. Et voilà, putain, je suis dégoûté. C'est, on a eu des opportunités, eux aussi. Ils auraient pu marquer avant. Avoir les stats. Voilà, c'est un match super intéressant. Je kiffe ce match. Et malheureusement, c'est pas en notre faveur. Donc, faut pas baisser le pied. On va revenir. Moi, j'y crois. Et voilà, on y croit. On va aller chercher la victoire. Ce serait top. Bon, déjà égalisé. Après, on verra. Donc, on est parti pour la deuxième mi-temps. En espérant revenir parce qu'il faut vraiment pas perdre. Allez, attention avec Younes. Non, c'est Bertrand. Le son deuxième poteau. Non, 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 il est tout seul. Il est tout seul. Oh là là, heureusement qu'il tire à côté. Allez, les gars, là. En termes de match, elle est pas pour nous. Putain, c'est super dangereux, ça, par contre. Le jeu avec Augustin. Augustin est passé. Augustin est passé à la frappe du gauche. Ah, c'est contré. Ah, d'accord, c'est contré. Je pensais pas que c'était contré. On va voir ce ralenti. Ouais, c'est contré. C'était cadré. Hein. C'était cadré du gauche en plus. Elle est basée dans le corner. On va s'y trouver Dabo. La tête de Dabo. Ouais, c'est Bertrand qui la récupère. Il la dégage. On met la pression. On va passer en offensif, les gars. Ah, le bâtard. Ah là là, ici. Je fais défaite 1-0. Je suis dégoûté. C'est pas mérité. On aura vraiment mérité d'égaliser, on va voir dans les stats. Voilà, cette frappe à 6, je mérite vraiment pas de perdre. Voilà, un nul, ça aurait été logique, carrément logique. Malheureusement, ils ont été plus réalistes comme moi. Et on a manqué de fraîcheur, hein, voilà, j'avais beaucoup de joueurs fatigués. Et voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas. Moi, j'y crois. Je crois comme ça, quand on a battu West Ham, on n'avait pas gagné à domicile. Hein. À l'extérieur, on a réussi à les battre. Mais bon, là, par contre, on a un match. Ah ouais, là, on est sur le podium, c'est pas mal. On joue contre Metz. Ouais, putain, on a 7 points de retard sur Lyon. Mais si on gagne, on a un match en moins aussi. Metz, ils sont combien? Ils sont des 16e. Voilà, ils jouent le maintien. Ils ont 3 points d'avance sur le premier non relégable. Donc voilà, là, on va faire tourner à fond, à pas se cacher. Je vais mettre un dispositif avec un seul attaquant. Parce que bon, voilà, il faut que mes attaquants soient plus frais possible. Je sais pas qui je vais mettre devant. Parce que bon, mes 3 attaquants, à mon avis, ils vont devoir jouer le prochain match. Donc je sais pas comment je vais faire. On va aller voir ça. On va aller voir ça, quel compo on va mettre. Avec Asukoto, ancien Stéphanois. Déjà, on va mettre Mané, ça c'est sûr. Poloma, Lacroix et Karamoko, on va faire tourner. Je sais pas. Non, on va rien mettre pour l'instant. Là, je sais pas non plus. On va mettre Veretou et CV. Ouais, si c'est. Si non, mais non, mais je vais mettre CV buteur. Voilà. Ah oui, merde, le dispo. On va mettre. Pourquoi pas un 4-4-1. Avec CV devant. Mané. Hop. Et au milieu de terrain, je mets Pinero. Ah oui, ah ouais, il y a juste l'ailier droit. Tout une 4-1 à droite, ok. Par contre, l'ailier droit, je sais pas du tout qui mettre.
Qu'est-ce qu'on fait? Qui veut... Putain, je sais pas quoi faire, gros. C'est n'importe quoi. Bah, je mets mal cuit. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. On va les mettre plus haut. Je ferai sortir mal cuit. Je ferai sortir peut-être mal cuit la mi-temps ou un truc du genre, mais... Pas forcément chaud. On va les mettre un peu plus haut quand même. Avec CV buteur. On n'a pas le choix, les gars. C'est un petit peu la crise, hein. Voilà, avec l'effectif, il n'y a que des blessés. Donc, on est parti pour ce match. Il faut absolument gagner quand même. On est à domicile. On joue Metz. Marie, qu'il n'y a pas du tout l'équipe type. On a fait pas. Ah ouais, non, on va mettre la fond. On met de la fond, vu que j'ai pas fait jouer un match d'Europa League. On va mettre la fond pour ce match. Donc, on est parti. Let's go. Oh, le Mané, il est parti. Bah oui, je t'ai vu, Mané. Allez, mon petit. T'es rapide. T'es rapide, Mané. Je pense que c'est le joueur à qui je compte le plus là. Trois portées de danger offensivement. Oh là, ce que j'ai mis. Ce que j'ai mis, ouais, il a pas de bonne finition malheureusement. Et Mané, va falloir jouer sur lui. Je pense que c'est le joueur qui est capable de faire la différence. Ah voilà, mi-temps 0-0, c'est très compliqué. Très très compliqué. Je m'y attendais, on a une équipe assez faible, on va pas se cacher. Hein. On se type les rangs moyens. Dans un dispo que j'apprécie pas. J'apprécie pas, tout simplement. Bon, on va juste mettre. Veretout, j'ai envie de mettre ça depuis le début. Malcu, on va faire sortir. Est-ce que. Oui, j'ai Ninga, donc on met Ninga. Moitié-moitié, voilà. Pas trop le choix. Autrement, bah, je vois pas ce que je peux faire de sûrement d'autre. Hein. Non, non, parce que tous les autres sont bons, ils joueront face à. Face à Anton, donc on va laisser comme ça. Il faut espérer que ça passe, ça va être compliqué, mais. Même si c'est moche, c'est un match pourri, mais il va falloir quand même prendre les 3 points, les gars. Donc on est parti pour l'amélioration des mi-temps. Mané, je compte sur toi, t'es rapide. Oh, bien joué! C'est toi qui dois faire la différence dans ce match. Ils construisent patiemment les Ah, bien attentes joué. d'ouverture. La bonne Oh passe là en là! face. Il est trop chaud! Ah, dommage. Corner, corner, Ils allez! aussi vite leur temps. Ah, Ils non, posent le non, 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 jeu. non, non, Harding! Oui, le Tu l'as, tu l'as, centre. tu l'as, tu l'as! Bien joué, Ils la restent fond! sur ce score de Ok, parité. c'est non, quand il a pas touché. J'ai pas envie de récupérer le ballon parce que si je récupère le ballon, il y aura touche Allez, c'est et. donné un espace. Mais dégage pas! Putain! Et l'arbitre Vas-y, je siffle suis pour saoulé. Là, je suis l'instant. carrément saoulé. C'est le pire match que j'ai fait. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un match aussi pourri. Et voilà. Waouh, super! C'était... Ah, vas-y. Que fait Catherine du match? C'est une blague. Mais non. Ouais, Caramoko, bon match. Lacroix, genre Lacroix, il a été meilleur Caramoko, n'importe quoi. Mané, ouais, Mané, c'est sévère. C'est sévère. Il a essayé, hein, franchement, il a été. Juste voir la note d'Asukuto, parce que Asukuto il m'a saoulé. Mal cuit, Ninga, ils ont rien pu faire. 7,7, ouais. Tu m'étonnes. Bah, ça promet, les gars, pour le match face à Anton. Compliqué pour l'instant, une défaite. Bah, après, on s'en fout. Hein. Le plus important, c'est. Tout dépendra de. Voilà, on va peut-être faire un épisode catastrophique. Si on se qualifie pas, c'est vraiment l'épisode merdique. Parce que là, franchement, ça m'a vraiment saoulé ce match-là. J'ai pris aucun plaisir. En espérant qu'on fasse mieux, tout simplement, dans ce match. Parce que là, bon, de toute façon, j'en doute pas. Hein. C'est vrai que l'équipe était pas pareille. Et le dispo, c'est un dispo que j'ai jamais joué, jamais utilisé. Et surtout que j'aime pas jouer avec un seul attaquant. C'est tout CV, quoi. T'es gentil, CV, mais bon. Donc, on est parti pour ce match. Là, il faut mettre les triples, les gars. Là, il n'y a pas à calculer, il faut se qualifier. On va mettre le maillot blanc. Et cette fois-ci, on va jouer en 6 minutes. Parce que là, c'est un match super important. On va mettre 6 minutes. On laisse en nuage, vas-y. Donc l'équipe, Lozano, Beric, Augustin, à droite Niga, Dabo, Bazor, bah, la même compo. Non, juste mal cuit, on va remettre. Voilà, franchement l'équipe elle est au top. Elle est plutôt en forme, mieux que tout à l'heure déjà. Les remplaçants. Non, mais c'est bon. Ouais, bon, ouais, on va laisser comme ça les gars. Donc on est parti pour ce match, super important. Si on, il faut vraiment essayer de se qualifier au quart, les gars, moi j'y crois à fond. Beric, Augustin, Ninga, Lozano. Je compte sur vous, on a un bon milieu de terrain, une bonne défense, un bon gardien. Il y a largement le moyen de se qualifier. Let's go! Allez les gars, on va se qualifier, on met en grosse pression. On se met en offensive, se joue le match de ma vie face à Southampton. Je vous aime bien, voilà Southampton, je fais une carrière majeure avec vous. Mais là, vous n'avez pas intérêt de m'éliminer parce que ça va pas le faire. Beric, t'as intérêt de te réveiller, faire le serial buteur comme tu sais le faire. C'est parti. On va toujours pas chier le ballon. Là par contre, faudrait vraiment éviter de se prendre un but quoi. Parce que ce serait compliqué. Parce qu'on n'est pas en confiance. Augustin. Il gagne les premiers duels. Attention. Oh, il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Et Ruffier. Bien joué. Il est dans son match, lui. On n'a toujours pas tué le ballon. On a fait se prendre un but. Le marquage catastrophique.
J'aurais peut-être dû laisser Karamoko, tu sais. Ouais, belle parade. Et Ninga, t'es là pour le contre. Ruffier, Ruffier. Bien joué, VM est vite. Ninga. Allez, pousse ta balle, pousse ta balle, pousse ta balle, pousse ta balle. Ouais, 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 c'est pas grave, on a tiré en touche. T'es parti, Augustin, t'es parti, t'es parti. Il est énorme, mais prends la balle. Mais pourquoi Fonté, il est dégueulasse, Makira. Oh, oui. Oh, il s'est bien rattrapé, c'est pas fini. Putain, Yassine, même une nique ta race. Je veux dire, pourquoi Fonté, il est nul en Makira, genre, il est bon. Ouais, bah, j'ai parlé trop vite parce que là, il s'est bien rattrapé avec le botacle, mais. Voilà, il y a moyen, il y a moyen. Bien joué, mal cuit. Oh putain, mais c'est le travers. En arrière. Bien joué. Bien joué. Ah, c'est bien joué ça. Le côté, le côté, le côté. Oh, c'est bien joué, c'est magnifique. Elzano. On va peut-être centrer. Le centre est beau, Robert Perić. Oh, dommage. Voilà. Allez, le mec s'enflamme. Mais voilà, il faut prendre confiance. C'est une très belle action. On a vraiment une entame de match compliquée. Là maintenant, c'est réveillé. J'espère qu'on prenne confiance grâce à ça. La zone, les zones, t'es rapide. T'es rapide. Oh, l'attaque est bon. Ouais, c'était bien de gratter un petit péno, tu vois. Bien joué. Allez, allez, allez. Nga, t'es parti. T'es parti. Oh le bâtard, j'ai cru que ça passait. J'ai cru. Allez, y'a du mieux, y'a du mieux. On a pensé à marquer maintenant. Mais joué. Pogba. C'est bien, on récupère plus de ballons. Ok, c'est la belle, je peux avoir. Oh l'autre côté. Oh l'autre côté, Lozano. Lozano. Mais non, on est trop gentil. On est trop gentil. Allez. Ça se rapproche, les gars. Allez, on garde confiance. Faut pas, commencer à insulter. Oh l'autre côté. Oh putain, Lozano. Mais c'est quoi, monsieur? Eh, mais c'est. C'est des passes, ces tirs, c'est eux. Perrin. Oh, Perić. Oh, Perić. Oh, mais what? C'est n'importe quoi. Mais wesh, mais c'est pas. J'ai pas de chat, truc de fou. Non, là, c'est abusé. Putain, non, mais attends, on va voir ça. Déjà, Perić contre la poitrine, ça c'est bien joué. Là, c'est très majeur de sa part. Voilà, le gardien, il fait l'arrêt, mais là. Ouais, là, il se la ramène trop sur le côté. Après, il tire. Le défenseur. Oh, oh putain, il la mettait contre son camp. Il a touché pas d'un poil, ça rentrait. Je suis dégoûté. Oh là là, allez, allez, on pousse, on pousse. Le contrôle est beau. Le contrôle est bon. Oh, l'autre côté. Les anneaux, peut-être penser à les mettre au bout d'un moment. Oh putain, ça veut pas. Il est souvent seul, Lozano. Hein. Franchement, le défenseur, je sais pas qu'est-ce qu'il fout, mais il est jamais au marquage. Malheureusement, il n'y a pas cet esprit tueur, malheureusement, Lozano. Et ça va être la mi-temps, je pense. Ouais, il faut vraiment pas se prendre la but. Ok, bah c'est moi, il a pas mis la faute. Mi-temps 0-0. On va voir les stats. On va voir les stats. C'est serré, un peu comme au premier match. Ah ouais, non, je domine de fou. Je domine de fou. Mais voilà, on est trop gentil, on est vraiment pas du tout tueur dans le but. On a beaucoup trop d'occasions et voilà, j'espère pas qu'on va les regretter, mais franchement, en petit anti-coaching, on change de position à Perić Augustin. Je tente des trucs, ça va servir à rien, mais c'est pas grave. Mais ouais, je suis un peu déçu. Franchement, Lozano, il doit en mettre au moins une. Vraiment, on manque de chance avec Perić qui a vraiment pas eu de chance. Mais bon, c'est comme ça, il reste une mi-temps, les gars. Il va falloir vraiment marquer, on marque un but, on est en prolongue. Donc voilà, l'espoir est. Et toujours là, les gars. Oh, l'autre côté. Oh, l'autre côté, bien joué. Lozano. Putain, mais ça veut pas. Mais c'est pas possible. Oh là là. Ça veut pas. Ils sont vraiment trop forts, hein, défensivement. Voilà, bien joué. Oh, putain. On est trop gentil. On tire sur le gardien encore. Hein. C'est pas avec ça qu'on va marquer. Putain, on doit marquer là. On doit se qualifier là. Putain, les regrets que je vais avoir, sérieux. Allez, Lozano. Perić. Putain, mais ça veut pas, mais c'est pas possible. C'est la muraille de Chine ou quoi en face, wesh. J'ai tout tenté. Putain. Ah, voilà, c'est le contre, il va arriver maintenant. On gagne du temps en plus. Oh là 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 là. Oh, Ruffier. Oh, Ruffier. Il est là, Ruffier. Allez, on y croit, c'est pas fini.
Ils avaient une balle de match, ils l'ont manqué la balle de match. C'est peut-être possible pour nous. Va pas tuer mes espoirs là maintenant par contre. Non, 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 ici. Oh putain. J'appuie sur aucune touche. J'appuie sur aucune touche. Je fais. Je reste appuyé sur A pour pas faire faute, tu vois. Je vois vraiment pas comment ils peuvent s'en sortir. Y'a rien, y'a abs, y'a rien. C'est impossible, y'a faute. Je reste appuyé sur A donc. Il se laisse tomber. Voilà, bien joué, il a été intelligent. Et... n'importe quoi, je me fais voler sur ça, quoi. Putain, allez, Ruffier, s'il te plaît. Tire à droite, enculé. Putain! Vas-y, ça me saoule. Putain, c'est dégueulasse, je me fais voler, je mérite de gagner. Voilà, l'aller je me fais voler, au retour je me fais voler, et voilà, je me fais baiser. Très bien tiré, ce pénalty, beaucoup de calme. Je suis dégoûté. Voilà, c'est fini. Notre aventure dans l'Europa League va se finir. À part si il nous faut marquer deux buts, mais bon, ça va être compliqué. Vas-y, je rigole parce qu'à la fin. Allez! Mais c'est pas possible! Putain, je vais péter un plomb! Mais wesh! Ruffy, il veut marquer son but! C'est bon, c'est fini. Je n'ai plus envie de commenter ma vidéo. Voilà, c'est terminé. On est éliminé, les gars. On a manqué de réalisme pour moi. On a manqué d'expérience, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais, bravo, bravo aussi, non? Fils de pute. Je suis dégoûté. Ouais, mais dans ma carrière majeure Santon, il y a eu deux pénaux, il en manque les deux et là, il est amené quoi. Et voilà, on a eu beaucoup d'occasions. 14 frappes, 10 frappes cadrées, pas un seul but. C'est n'importe quoi. Putain. Ah bah ils ont fait mon nombre d'arrêts donc bon. Là, bon, c'est 10 frappes cadrées. 14 tirs. Ah, j'ai clairement le seum, les gars. J'ai le seum, mais c'est comme ça, hein, c'est le foot, c'est FIFA à l'occasion, mais c'est réaliste. C'est parfois c'est comme ça, hein, t'as beau dominer, avoir des occasions, c'était pas réaliste, et là c'est. Bah, c'est pas, je crie pas au complot, ouais, c'était truqué, voilà, c'était scripté, non, non, c'est juste que j'étais nul. Et voilà, j'ai pas su marquer, c'est totalement de ma faute, et j'assume totalement, et puis bon, là, c'est comme ça. Plus qu'à se concentrer sur le championnat maintenant, et la finale de la Coupe de la Ligue, et la finale de la Coupe de France. Donc là, en plus, au classement, on est passé 4ème. On a un match en moins, donc si on gagne, on repasse devant Lyon. Mais 9 points de retard sur Lyon, qui est 2ème. Après, on a un match en moins aussi. De toute façon, une compétition de 350 000 euros. Mais je suis carrément dégoûté. Franchement, je suis vraiment dégoûté, sa mère. Bon, là, au pire, je vais faire, ouais, je vais faire les entraînements. Et on se retrouve après les entraînements pour me détendre un petit peu. Parce qu'au moins, j'aurai l'occasion de marquer un but. J'ai pas marqué un seul but dans l'épisode. Donc là j'aurai l'occasion au moins de marquer un but. Enfin, peut-être même pas, tu vois, même pas. C'est pas sûr encore. Pourquoi la fond il est numéro 1 mais il a numéro 2 sur le truc. Et pourquoi ils ont un truc orange? C'est Saint-Etienne, hein, je suis pas Glorient. C'est pas mal. Bon voilà. Entraînement terminé. Tout le monde a réussi. Sauf Lozano quand même. Enculé tasse. Alors. Donc Dinga qui passe en 15 et Lafond qui passe à 82, ça c'est super cool. Nickel. Bah voilà, on va s'arrêter là les gars. Vous en avez pas marqué? Ah ouais, bah oui, j'en suis conscient. Bon, ouais, comme aller lire l'article sur Lozano. Malgré une affiche équilibrée, les vainqueurs. Ouais, non, ça j'ai pas envie de lire. Aujourd'hui marque le 6ème match sans but pour Irving Lozano, ce qui plonge Frost. Bon, c'est mon entraîneur, je suis toujours pas changé. Enfin, j'ai flemme de changer. Dans le doute sur le fait qu'il
qu'il faille ou non, qu'il faille, je sais même pas que ça disait, ou non sélectionner son ligne de 21 ans. Les attentes sur le joueur de 21 ans ont été sérieusement revues à la baisse. Depuis son récent transfert en provenant de son ancien club, Pachuca, les mauvaises prestations s'enchaînent pour lui. Ses supporters commencent à gronder. Son entraîneur ne devrait pas d'ailleurs attarder à être attaqué par les médias à ce sujet. Non, mais à part ce match-là où il a vraiment été nul, d'habitude il est bon. Mais là, bon, voilà, il n'y a pas eu. Après, voilà, j'attends plus qu'il fasse la différence, qu'il provoque, qu'il marque, tu vois. Et dans le jeu, il est toujours bon, hein, j'ai pas eu à reprocher. Il a su être pas dégueulasse, malheureusement, après, là, il n'a pas aucune finition. Moi. C'est comme ça. Donc on avance encore un petit peu jusqu'au prochain match. Là, on a pas mal de semaines de repos, c'est cool. Là, c'est la trêve. Avec un peu de chance, je vais avoir Tanan, moi qui aura le blessure, serait quand même pas mal. Parce que là, franchement, ça commence vraiment à être dur. Rapport mensuel, tiens, on va aller voir ça. Donc maintenant, ils reviennent de blessure, les trois cons, là. 7 semaines, 2 mois, 4 semaines, ah ouais, putain. Moi, mais j'ai l'impression que ça fait... Il est toujours blessé, lui. Putain. Ouais, pour le prochain match, ok. Alors, ah oui, il me propose des joueurs. Donc ouais, moi c'est des élites que j'ai besoin à cause des blessures, mais là ils sont pas assez intéressants. Alors, entre 4-3 et 5-9, c'est pas que je suis pas intéressé, mais bon. Voilà quoi. Ah, c'est des voisins, on peut pas voir ses stats. Ah oui, voilà. Et il peut aller jusqu'à 94 accélérations. Pas mal. Lui, ça a l'air d'être le meilleur. Mais bon, après, hein, pour l'instant, on peut pas trop savoir. On verra après. Et oui, j'ai ma petite pépite aussi là. Enfin, c'est ça que je viens d'entraîner. Donc, voilà les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va se faire un petit. Ah, Augustin, c'est très bien qu'il passe 75. Hein. Ça fait pas mal de temps qu'il est à 74. Donc, on va aller faire le petit rapport des familles, comme d'habitude. Voilà, plus 8 de général. Moi, j'avais dit le plus 10. Je visais le plus 10, et bah, il y a peut-être à voir. Hein. Sacré stade, quoi. Sur les filles, là, 85, ouais, bon, 83, 84, 84 serait pas mal. Là, à peu près l'auteur sur les filles. Le Moulin, Mezen, toujours plus 2. Toffin, Catherine, Malcuit. Dommage qu'il augmente pas, parce que franchement, je le trouve super bon. Ah, lui, il en a joué des matchs, forcément, avec les blessures et tout, mais ouais, allez, ça. 7,32 notes, c'est partie des meilleurs ratios. Il a joué un match avec moi. Ah non, c'était avec Lance. Perrin, Captain Perrin, toujours là. Voilà, c'est Captain Perrin. Lui, je le vendrai jamais, bien évidemment. Même s'il a 60 de général, je le vendrai pas. Pogba, très très bon. C'est le meilleur défenseur central que j'ai. Voilà, en termes de performance, c'est lui que je préfère le plus personnellement. Karamoko, voilà, il a joué quelques matchs. Le dernier match qu'il a fait, j'ai trouvé vraiment intéressant. Voilà, 90 en force. Après voilà, si qu'il joue, c'est à cause des blessures, mais bon. La Croix, ouais, il est pas dégueu, mais bon, c'est un remplaçant. Le Marchand, il revenait à un bon niveau. Normalement, il s'est blessé, ça commence à me saouler. Ouais, ça me saoule. Je sais pas ce que je ferai son prochain, si je le garde ou pas, parce que bon, un défenseur toujours blessé. Hein. C'est pas trop le top. Et pour le moins, plus 2. Pour le moins, il nous manque bien, c'est bien. Senes, ouais, un remplaçant, quoi. Amouma, il était bon. Hein. 6 buts de passe en 20 matchs, c'est pas mal. Hein. Normalement, c'est moins 6 en endurance, moins 1 en vitesse, hyper reste. Je pense que je vais les vendre aussi, malheureusement. Dabo plus 2. Malheureux. Pourquoi tu es malheureux? Il s'estime sous-payé. Ouais, c'est bon, tu viens d'arriver cet été. Bon, moi, je dis quand je prolonge jusqu'à la fin de saison. Je concentre pour l'instant. 120 saisons, verrez tout, plus 2, ok. SCV quand même, 6 buts, 4 passes D. Il joue pas un buteur, bon, il a joué une fois buteur. Enfin, deux fois buteur. Mais bon, voilà, pour un buteur, il marque pas mal. Mané toujours, ça fait pas longtemps qu'il a pas fait de passe D là. C'est moi qui passe la barre des 10 passes D. Quoi qu'il arrive, j'aurais été très satisfait de lui. Franchement, 87 d'accélération, c'est une flèche ce mec là. Tanan, je trouve vraiment intéressant. Malheureusement, sa blessure, ça fait vraiment chier de fou, les gars. Niga avec son petit plus 1, 16 buts. Il a joué 37 matchs, Niga. Simplement, voilà, c'est lui qui a joué plus de matchs, c'est impressionnant. Augustin, ça serait bien qu'il passe à 75 quand même là. 9 buts, 6 passes D. Berich, 20 buts, 4 passes D. Ah oui, là j'ai 36 matchs aussi, Berich. Mopé, ok. Et Lozano, inquiet. Pourquoi inquiet? Doute de ses capacités. Ah bah oui, bah t'es pas le seul à douter.
Ouais, c'est là, ah, bref. Ah, éviter de remettre le couplet, le couteau dans la plaie. Donc on va aller voir vite fait dans le prochain épisode qu'est-ce qu'on aura à jouer. Donc on a un match face à Lorient, même si l'extérieur à domicile à Geoffroy Guichard, là faut absolument gagner. Ensuite Monaco, là ça va être très très compliqué à l'extérieur j'imagine. Voilà. Et un dernier match face à Dijon qui devrait, ça devrait le faire. Ah ouais, on a bientôt la finale face au PSG. Et on joue Le Havre en demi-finale face au Havre. Ah, on sort finale! Non! Ça va? Ça c'est cool. Je sais plus si c'est en finale ou en demi. Et la fin de saison après, elle arrive, ouais, elle arrive très très rapidement. On va vite fait aller voir ça, les gars. Non, calendrier, on était en finale ou demi-finale, je sais plus. Ça, je m'en fous. Coupe de la Ligue. Ah merde. Coupe de la Ligue. Ah ouais. Ah ouais, non, en finale. Et ouais, là c'est demi-finale face au Havre. Il y aura peut-être deux finales à jouer face au PSG. Donc, là, Monaco, c'est une très grosse équipe aussi. Donc, ok, les gars. Donc, on va s'arrêter là, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré que j'ai été nul à chier dans cet épisode, on va pas se le cacher. Mais voilà, moi, personnellement, je prends beaucoup de plaisir dans cette carrière. C'est assez réaliste. Voilà, je suis content parce que voilà, c'est compliqué. Je suis obligé de jouer à fond. Voilà, genre, c'est pas non plus trop simple. La preuve, on n'est pas premier ou quoi que ce soit. Mais voilà, on est là. On est là et on a une fin de saison super intéressante à jouer. Donc, j'espère que vous allez suivre cette fin de saison, les gars. Donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les gars. Une prochaine vidéo pour je sais pas sera quoi. Donc, moi, je vous dis salut. Allez, mais je sais pas quand vous verrez cette vidéo. Peut-être que c'est. Ouais, bah, je vous dis quand même bonne année, bonne fin d'année. Peut-être que je vous verrai pas d'ici là, je ne sais pas. Donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian. Ciao!